Salut YouTube, on continue. Bad Dream Coma. J'en ai marre de faire des A. À chaque fois que je regarde mes vidéos, j'entends des A. La moitié de la vidéo, c'est des A. C'est chiant. Donc, bah, je recommence. Bad Dream Coma. On a terminé hier la pire fin, parce que j'avais buté tout le monde. Donc, forcément, c'était pas ouf. Et là, on est parti sur la good ending. Voilà, où on est gentil, on ne tue personne. C'est quand même chouette ça, non? Désolé pour hier, je suis quelqu'un d'entier. À propos de quoi? Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi tout et tout sera pardonné. Hop. Ça, globalement, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose de méchant. Mis à part quand j'ai joué au jeu, là, et que si on triche. Que si on triche, c'est pas bien. Mais il me semble que c'était ok. Prendre le timbre, ne pas oublier le timbre aujourd'hui. Hop. Ça, on ouvre, ça, on regarde. Ouais, super, super. Là, les chiottes. Les cabinets, je voulais dire. Voilà. Évidemment, je voulais dire les cabinets. Allez, on passe en face. Oh! Oh, du coup, ils sont plus raturés, il n'y a plus les petits trucs. Oh là là! Oh là 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 là! C'est plus le même jeu, hein. C'est plus le même jeu. Donc on a le bouton, on a le truc claqué. Et là, oh regardez. Petite maison et tout. Ils sont tous mignons, tout gentils là. Ça. Dans le tiroir, il y a le stylo. Là, la clé dans les WC. Il n'y avait pas autre chose dans la cuisine. Non, je sais plus. Ah, la fausse pièce. Non, on va la garder. Paradis pour Séverine, j'aime pas. Une personne ne dit pas dire les choses. Moi, je dis à personne de pas faire les choses si on ne veut pas cacher les choses. Ah oui, c'est... Ah oui. I've got the stylo. I've got the fusible. Alors, le stylo va me servir pour ça. Non, pas encore. Ah non, faut que je mette les sous d'abord. C'est vrai. Il est vrai. Ah, les sous, on peut pas les mettre. Ok. Jérôme ne devrait pas accepter, il devrait lui dire de ne pas venir. J'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Eh bah écoute, allô la lune, je ne comprends absolument pas. qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé.
Ah, la pièce de 5. Ça, on est bon. Tac. Tac. On la prend. On descend. On la poste. Toujours ok, hein? Ouais, je suis toujours ok. Ah bah oui, le stylo. Aïe, je me rappelle. Coucou Number IT. Quand elle lui a dit de ne pas te le dire. Ah mais j'étais pas là moi. J'étais pas là. Bah du coup écoute, je suis pas au courant. Écoute, je suis pas au courant. A priori, je suis pas au courant. Mais je pense que c'est une vanne, hein. Je pense que c'est une vanne. Moi, je le prends absolument pas mal que Sev aille voir Jérôme quand moi je suis en stream, hein. Clairement, elle a fait sa vie. Elle adore les streams de Jérôme quand il fait du dessin. Moi, je suis content qu'elle aille voir des trucs qui lui font plaisir, hein. Clairement. Moi, je fais des jeux super chelous et tout. Il lui cache les choses aussi. Mais non, mais c'est une vanne. Enfin, voilà, je pense que c'est une vanne. C'est une vanne entre nous, en fait. Mais clairement, c'est pas un problème, quoi. Vraiment. Donc, je savais pas, en fait, que t'avais. Je savais pas que t'avais dit quelque chose à Sev, tu vois. C'est un couple libre au niveau stream. Exactement. Exactement. Mais si, c'est à toi que je l'ai... Oh là là, mais... écoute. Écoute, j'ai une mémoire. J'ai une mémoire d'à peu près 2 secondes. Je suis désolé. Et je l'ai lu. C'est ça aussi, quoi. C'est... que tu m'as dit quelque chose. Oh là là, mais... je suis désolé, hein. Je suis désolé d'avoir une mémoire de moule comme ça, hein. C'est la clé d'où? C'est la clé de l'eau. C'est pas la clé de l'eau ici, a priori. Ah, mais non, mais c'est la clé de la boîte. C'est ça. La cassette. C'est en face, la cassette. Pas grave, je suis désolé. Je suis désolé, c'est vraiment pas fait exprès. Ça me manque de mecs bourrés qui dénoncent. Oh, oh là là. C'est pas gentil de parler de ça, hein. C'est vrai que je devrais prendre des... je devrais essayer de faire picoler Otonoshi. Et puis... et derrière, je le prends sur mon stream et je lui fais dire des conneries. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que ça vous plairait que Otonoshi dise des conneries bourrées sur mon stream? Ça va, je peux en rigoler. Je me suis fait insulter par les Charles à cause de ça. D'accord, donc bon. Je sais plus après. Je sais plus. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? Je le prends pas pour moi. Eh bah écoute, ça me rassure. Le jeu, il était où le jeu?
Il était où le jeu là? Il était dans le salon le jeu. On est d'accord. Sauf que j'ai pas la clé du salon. Donde está là. Ah oui. Help me. Voilà. Paf, paf. Fais ça. On répond pas. Moi, je veux le dé. Donc ça, c'est bon. Pero... C'est marrant car je bois pas. Bah, je bois pas non plus. Je bois pas d'alcool. Donc ça ne me pose évidemment aucun problème. Il est très sobre, je confirme. Bah, pourquoi je mentirais là-dessus? Y a pas d'intérêt à ce que je vende, quoi. Il est où le jeu? Je sais plus. Bonjour, je sais plus. Qui sont les Charles? Des clowns d'extrême droite. Ouais, non, parce que les clowns, c'est rigolo en fait. C'est pas le, c'est pas cool pour les clowns. Les clowns, ça peut être rigolo. Il était pas sur la table, le jeu? Non? Je sais plus. Allez, parce que j'ai pas envie de passer des heures en fait là-dessus. J'ai juste envie de le faire. Ouais. Alors. Ah mais c'est dans l'autre appart. Pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi je l'ai pas vu? Moi, je trouve pas les clowns drôles depuis que j'ai vu le téléfilm, ça. Mais... Hop. Hop. Et le pion. Voilà. Et maintenant, on va se faire chier. On va se faire méga chier parce qu'il faut pas que je triche. Voilà, donc ça va être l'enfer sur Terre. Il faut pas que je me plante, hein. Mais le jeu il triche ou quoi? J'ai cru que quand on était gentil, le jeu trichait et qu'on gagnait forcément. Mais ça aurait été une très belle morale. Super, on va se le taper à chaque fois. Allez, le checkpoint. Non, on va pas le faire quand même. Je me disais.
Et c'est bien parce qu'on n'a pas les autres. Il n'y a pas le vilain con qui est venu. Je sais pas si vous vous rappelez hier, mais hier il y avait. Il y avait le mec vilain qui avait rajouté des pièges en plus. Et là du coup il est pas venu. Vu qu'on est dans le truc gentil. On n'a pas le connard qui nous fout des bâtons dans les roues. Donc c'est pas plus mal. Mais merde. Ça va durer des plombes. Évidemment. Si vous faites chier, je vous invite à le mettre dans le... Non, pas un! Pitié, pas un! T'es bien parti. Peut-être par la suite, non, oui. On va se faire chier. Y a des gens qui speedrun vraiment ce jeu ou pas? Je veux pas en voir moi. Oh là 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 là. On a passé 3 heures là-dessus. À un moment, ça va passer, c'est obligé. Mais non, mais il se fout directement dessus, hein. La loi des séries nous dit que, à un moment, on va y arriver. Donc, allez-y, pendant ce temps-là, racontez-moi vos vies, là, parce que... Oh, mais à chaque fois, hein. À chaque fois dans le premier jet de flamme là. À chaque fois c'est ici. Hein. Ah, je vais y arriver. Hein. Bon bah voilà, là on commence même plus. Je me fais chier en ce moment donc je t'écoute. T'es au boulot? T'es au boulot ou t'es au boulot? Oh! Oh! Ah oui! Ah là, 3 au plus. Vas-y, 3 au plus, j'y crois là. Je déteste le jeu, je te déteste. J'avais 2 chances sur 3 pour que ça passe. Hein. Et bah, c'est pas passé. Putain. Fait chier. Hein. Je pense qu'on a dévié avec ce foutu virus. Non? Ah, ça va être passionnant. J'espère que ça vous fait plaisir. Y a un truc pour tricher sans tricher ou pas?
Oh là là, chaque fois sur lui. Hein. La petite flamme devant là. Ça par contre, quand je veux pas faire des gros scores là, je me tape des 5. Hein. Ça no susai. Hein. Comme disait une célèbre chanteuse des années 90. Mais c'est pas possible, oh là là, une chance sur deux. Et, Allez, qu'est-ce que je dois faire là? Je pensais que j'en aurais pas pour longtemps. quel innocent j'étais de me dire oh allez, il y a plus grand chose, plus que deux chapitres. C'était sans compter sur jeu de merde. Et alors à chaque fois. Voilà. Non mais vas-y. Vas-y à chaque fois. Hein. C'est bon, je passe même pas le virage quoi. Allez, elle déconne pas. Ah déconne pas hein. On a pu me faire faire un 6 bordel. Surtout que le 6 il sort de juste derrière quoi. Allez le jeu, arrête de tricher. Tout le monde n'est pas une resta du Twitch game, comme Tony. Je l'entends à jeu, oui, non. Pierre, t'en as jam. Ah mais après ça va... Alors après non, Bad Dream Coma, là, je fais juste la bonne fin, et puis je ferai sûrement Bad Dream Fever un jour. Peut-être dans pas longtemps d'ailleurs. Putain, pile dessus quoi. De 1 à 5 c'était bon, il me fait un 6 pour se cramer la gueule sur le putain de dragon. Je m'énerve pas, hein. Promis je m'énerve pas. Dis où mon statut je suis toujours ok. Hein. Alors que c'est tout à l'heure que je voulais un putain de 6 là. Ah, évidemment. Ça prend des plombs pour arriver jusqu'au truc. Et après, il me fait pile le chiffre qu'il faut. Ah, vas-y. 1, 2, 3, 4. 5 ou 6 là. 5 ou 6, on y croit. Allez, on y croit. 5 ou 6, on y croit. Yes! Ah! Joueur engagé. I did it. Qui es-tu? Vois-tu mon jeu? Je voulais m'en débarrasser parce que je trouvais ennuyeux. Je peux pas me payer un ordinateur. Attendant, voilà, il fait des trucs. Hop, ses parents. T'as aimé. Rien de venir à craindre. Qu'est-ce que tu fais par ici? Mes parents t'ont envoyé ici? Je sais pas où ils sont. J'ai peur qu'ils soient déjà morts. Je fais tellement de soucis pour eux. Peut-être retourner à la maison. Côté de la forêt. Je peux aller à la recherche. Je suis trop petit pour y aller. De toute façon, je dois surveiller la maison. Pas besoin de te faire de soucis, moi. Je suis malin et courageux. Malin comme un singe. Tu peux y aller maintenant. Je m'inquiète pour mes parents. Et ben voilà. Chapitre 7. La vieille demeure. Status, je suis toujours bien. Hein. Alors, stylo. Ah, j'ai plus les ciseaux par contre.
Si j'ai de nouveau les ciseaux. Ok, bon, j'ai encore les ciseaux. Hop, ça on connaît. Je te préviens, hein. Hop. La clé. Ça, on est bon. Lui, il pleure. Du pleurage. Pourquoi il fait du pleurage? Tiens, là, le passe. Statue. Statue toujours nickel. Ah oui, il fait nuit maintenant. Il fait nuit. Et le soleil. Hop, ça. Voilà. Ah. 9h30 de travailler car on l'a perdu, mais non, il fait juste une petite pause de le stream. Ah, il n'y a pas tous les trucs qui me font mal et tout. Alors, voilà. Il m'empêche de rentrer. C'est pas la même chose du coup. Vêtements sales. Je sais plus ce que ça me permet de choper le vêtement sale. Je nettoie mon cloud OpenStack. Mais j'écoute le stream sur mon enceinte Bluetooth. Je peux encore avoir quelque chose ici? J'ai un chiffon maintenant. I've got a chiffon propre. Là, il n'y a plus rien. Le petit chiffon, à quoi il va me servir le petit chiffon? Un chiffon, fond. Parce que là, j'ai tout pris. Le chiffon. Sors d'ici. Je suis toujours ok. Hop, la porte. Ah, ça faut que je fais gaffe. Oh non! Ah, c'est ok. Merde. C'est bon, j'ai repris les ciseaux. Eux, ils crient toujours là. Est-ce que je peux leur crever les yeux? Ah, regardez. J'y ai couvert les yeux. Ok. Coucou Avorpal. Eh ben écoute, ça fait moins peur parce que là, je suis sur la fin heureuse. Je
suis en train de faire la good ending. Ouais. Je suis en train de faire la good ending, donc bah en fait le jeu est vachement moins glauque avec la good ending qu'avec la bad ending. La bad ending c'est terrible. Il y avait des morts partout et tout, enfin c'était glauque à souhait. Là ça le reste encore un peu hein, mais déjà moins. Ok, donc là ça tapote. Ouais, il me manque un truc. Qu'est-ce qui me manque? Là, je peux reprendre ça pour cacher les yeux d'un autre. Ah, et prendre ça, d'accord. Ah, et regarder ça du moins. Après, je peux reprendre, cacher celui-là. Faire quoi? J'en sais rien. Non, c'est pas ça. On a quoi? Il n'y a pas un truc dans la télé? Je sais plus. Ça y est, je commence à cliquer partout. Ah bah voilà, fallait juste sortir en fait. T'es encore là ? Pas gentil. Pas gentil la mort hein. Get out. Hop. Je te préviens, je vais me fâcher hein. Non mais la mort, ouais, on s'en fout, hein. Voilà, on tabasse la mort. Ah oui, il m'a tout repris. J'ai plus de... Mon stuff, il est où? Merde, c'était ça, ouais. Et mon stuff qui m'a été volé. Je ne sais plus.
La mort m'a piqué mon stuf. Oh, j'ai déjà oublié, c'était hier. Ah, quelle honte, c'était hier, j'ai déjà oublié. Où est-ce que je retrouve mes... Ah oui. Là. Là, il y a ça. C'est pas dedans, je sais plus. Fallait que je prenne la poignée, là. La poignée, la poignée. Il venait y faire une tête... voilà. Voilà. C'était donc là. Hop. La poignée. Hop. Et je vais dans le basement. J'en ai assez. Je t'ai demandé, je t'ai averti. Il est si difficile de comprendre que je veux rester seul. Je ne veux plus que les gens soient tristes. Les gens sont très effrayés à ma vue, évitent notre rencontre aussi longtemps qu'ils le peuvent. Lorsque j'ai finalement décidé de partir, tu es venu. Je ne te rends pas de ce travail. Je refuse. Hier, j'ai mis la grosse voix. Je viens de décider de m'effacer de ce monde une fois pour toutes. Ce serait mieux sans moi. Profitez donc de cette chance pour vivre heureux. Va et annonce à tout le monde qu'ils n'ont plus besoin de se faire de soucis. Avec mon plus profond aspect, la mort. Ah, la mort s'est barrée. Chapitre 7, ok. Chapitre 8, la sortie. Statue. Oh là là, regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Petit pipiou. Oui, un pipiou. Il n'y a pas le pipiou avant. Le petit chien. Tu fais une caresse au petit chien? Qu'est-ce qu'il faut lui faire au petit chien? Baballe? Y'a baballe? On va jouer à la baballe avec le chien? Oh, regardez, y'a un pouic pouic! Oh là là, trop mignon le petit chien. Encore un petit piou piou? Encore, bah il y a des piou-piou partout. C'est trop bien. Ah mais c'est le monsieur avec les tripes à l'air qui finalement est content. Salut, merci pour ton aide l'ami. Si c'était pas toi, j'aurais passé des heures à faire la queue. Tu es vraiment quelqu'un de bien. C'est le mec à qui on a refilé le truc là. Trop chouette. Il avait perdu son ticket, on lui a refilé son ticket. On n'est pas là. Hein. Ouais, il y a la clé là. Suis-je béto ? Donc c'est pas là. C'est la clé de quoi? Ah bah c'est peut-être une clé d'appart. La clé d'ici ou c'est la clé d'ici? La clé. Qui c'est qui a jizz down on the mirror? Clé. Chiotte. Encore. Effectivement, je confirme.
Du papier cul. En parlant de papier cul, non, mais je vais faire pipi. Je reviens. À tout de suite. Me revoilà, me revoici, me revoilou. Hop. Donc, j'ai du papier toilette. Mais il faut sûrement qu'il soit propre, enfin, qu'il soit humide. Ou que je puisse en faire quelque chose. Je pense. Pas une flaque d'eau ou un truc dans le genre? Priori non. Blacky! Comment vas-tu, Blacky? Ah! Ah, mais du pchit! Mais oui! Faut que je mette le pchit à carreau. Une fois que j'ai pchité à carreau, et ben voilà. C'était évident. Il y a un gros marteau. Toujours fatigué. Bah alors. Bah alors. Oh. Je crois que ça fait un petit moment que c'est là, hein.
Je suis en train de faire mes courses et micro-sieste après. T'es dans le magasin? Et 18h passé? Ok, donc là c'est tout fermé. Faites ça qu'il faut que je fasse. Que je ferme la lumière. Comme ça, elles vont faire dodo les mouches. Non? Non, les mouches elles font pas dodo. Non, sur internet. Ah, j'ai cru que tu me regardais sur Twitch. Dans le magasin, moi. Mais non. Clé, chiotte, encore. Ok. J'ai la chance d'être sur ma grande télé pendant que je suis sur la tablette en... Oh là là. Est-ce que tu veux me voir encore plus grand? Est-ce que ça te fait plaisir de me voir Est-ce que j'ai... Bah oui, j'ai mon truc cam. Et là, est-ce que tu kiffes? Tu kiffes ou pas? Moi en taille géante. Est-ce que ça te sied? Alors... Bon, j'ai cliqué partout, je crois. Hein. Ah, ah non. Comment je peux faire partir les mouches? J'ai l'impression de t'avoir en vrai devant moi comme ça. Ouais, mais c'est assez dommage parce qu'on voit les, on voit plus le jeu, quoi. Alors je sais que toi, effectivement, tu préférais me voir comme ça tout le temps, mais bon, les autres gens, ils préfèrent voir le jeu a priori. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Je peux pas forcer. Bon. Ça sent la soluce dans 3, 2, 1, ça. Parce que bon, on s'emmerde. Ça, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie qu'on s'emmerde. On a réussi à tout faire avant. Spray the mirror, ça c'est fait. Flies, hein. Use the crowbar to break a glass window to let the flies go out. Take the sausage. Exit. Ah. Ok. Alors, faut que je pète. Faut que je pète un carreau. C'est pas très sympa, je trouve, moi, mais. Hein? Ah, dans la crowbar. Ok. J'ai pris la saucisse. Et j'ai mis la saucisse dans les cabinets. Est-ce que ça va m'aider? Est-ce que la saucisse dans les cabinets ça m'aide? Je cherche un truc à tartiner sur des tranches grillées, mais j'ai pas d'idée. Genre à tout de suite maintenant ou genre dans ta liste de courses? Hummus. Le hummus est toujours la solution. Ok. La
C'est super, j'ai mis la saucisse, la saucisse dans les cabinets. Mais qu'est-ce que ça m'apporte après la saucisse dans les cabinets? Bien joli, mais... Coucou Séverine, genre dans ma liste de courses. Ah ouais, houmous, tapenade, des petites terrines aussi, des petites terrines. Rillettes de poulet, il y a tellement de trucs que tu peux foutre sur des tartines de pain, quoi. Comment ça va, Sève? Alors, j'aime ni l'un ni l'autre, hein, Number. Et coucou si jamais je t'ai loupé. Ah, maintenant je peux regarder ça. Je suis allé à l'hôpital. D'accord, ok. Toujours ok ou pas? Oh là 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 là. Oh, on va avoir la bonne fin. Le téléphone fonctionne. Ça, c'est quand même assez ouf. On peut sortir dans la rue. Oh, mais regardez. Comment c'est beau et propre. Et tout le monde est content. C'est fou. Et ti piou piou. Et il y a... Eh, y a plus de plaque d'égout en fait. Quand tout le monde est content, il n'y a plus de plaque d'égout. Ah, il faut le savoir. Il y a des plantes. Il y a des plantes partout. Il n'y a pas de malades. Il y a un menu. La dame, elle a un menu. Il y a de l'eau propre. Il y a la radio. Tout est changé. Pas si difficile. Je peux t'aider? Non. Il est là. Utiliser les interrupteurs, c'est fou. Là, on sait toujours pas qui y a dans le numéro 13. Hein. Le numéro 13. Ah, le gamin. T'as trouvé mes parents? Il devait bien être quelque part. S'il trouve quoi que ce soit, moi j'attendrai là. D'accord. S'il est mort, le petit poisson. Ah. Il y a le mur qui est en train d'être reconstruit. Trop bien. Guacamole. Ah bah non plus. Bah ouais, t'es tombé sur les trois trucs qu'elle aime pas. ça va, j'ai pas été très productive au boulot aujourd'hui. Du coup, je culpabilise un peu et j'essaie de m'y remettre. Oh non, mais non, à cette heure-là, tu vas pas t'y remettre, quoi. Tu vas être encore moins productive. En fait, là, tu vas te faire chier pour essayer de faire des trucs qui, finalement, tu vas pas réussir à faire parce que il est à 18h22, quoi. C'est l'heure de prendre l'apéro, quoi. Je fais mes courses sur le net. Hein. Je cherche un truc sympa à tartiner sur des croûtes. Non, mais moi, mes idées de rillettes ou de tartinades à base de terrine, ça ne va pas. Ou je sais pas, moi, du foie gras. À de la confiture. Il y a tellement de trucs qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne à la dame?
C'est quoi le numéro? C'est rigolo qu'on puisse l'appeler alors qu'on n'a pas eu le numéro dans cette session-là, quoi. Ah, je crois que j'ai triché. Je crois que j'ai triché, j'ai eu les fleurs. Quelle fleur magnifique! C'est pour moi? Merci. Je vais vite chercher un vase. Rillettes de poulet, rillettes de saumon et tzatziki. Mousse à tzatziki, rillettes, rillettes de poisson, tapenade, pâté, mousse de canard, confiture, beurre, miel, fromage. Putain, j'en ai plus. J'en ai plus. Ok. Ah non, j'ai plus de fromage. Voilà les deux. L'infirmière est très gentille. T'as besoin de mon aide? T'as besoin de quelque chose? Y'a personne ici. T'as besoin de quelque chose? Il est interdit d'entrer ici. Il est interdit. Truc chelou quand même, hein. Là, non. Là, toujours personne. Là non plus. J'ai appris quelque chose à mes parents? En train de faire un nouveau jeu? Sans mes parents ici. Quoi de neuf? Sans mes parents ici. J'ai déjà fait le stock de fromage, c'est très bien. Mais comment tu as survécu? Bah, je sais pas. Mal. Mal, sûrement. En ce moment, c'est du genre, t'as le gras et le fromage, c'est la vie. Ici, en ce moment, c'est du genre gras et fromage, c'est la vie. Bah, moi, c'est toute l'année, hein. Le fromage, c'est toute l'année. Ah bah voilà, c'est Erin qui confirme. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire après là? Je veux que ça se termine moi. Talk to the nurse. Ah, d'accord. Il faut que... Voilà. D'abord avec les autres patients. Ils font même de la mimolette chez toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la mimolette de Normandie, ouais, effectivement. Un repas sans fromage, une dessert, c'est pas un repas. Bah, c'est bon. Arrêtez d'enfoncer le clou, là. Il y en a marre. Je vais crever parce que j'ai plus de fromage. Salut. As-tu trouvé des informations? Sais-tu comment sortir d'ici? Non? Mince alors. Quoi qu'il en soit, viens avec moi. Je voudrais te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à montrer? Regarde autour de toi. Tout a l'air beaucoup plus sympa depuis que tu es arrivé.
À présent, ce n'est plus qu'un rêve. Ce n'est pas pire que dans le monde réel. Peut-être le moment est-il venu d'accepter cette situation. Il est temps d'apprécier ce que nous avons au lieu de poursuivre un but impossible. Vivre ici ou là-bas, quelle différence? L'essentiel, c'est de cultiver le bonheur. Regarde la différence que tu as obtenue avec tes bonnes actions. C'est vrai, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Tu nous as rendu l'espoir et tu nous as motivés à faire de notre mieux. Le temps est venu de mener une vie normale. Merci, mon ami. Alors, c'est tout en train de s'effacer. Vite. Vite, l'infirmière, elle est où? Bisous, l'infirmière. Bon, réunion syndicale. Eh ben, des bisous. À plus tard. Sinon, résiste au moins jusqu'à ce week-end, j'en ai. Et me revoilà dans mon lit. Avec les osios. Cette fois-ci, j'avais les osios. Il y a encore les osios. Bon bah voilà. Trop étrange cette fin. Est-ce que t'as vu la... Est-ce que t'as vu l'autre fin? Avorpal. Je crois pas. Bah non en fait, bah non. Bah non, t'étais en stream. T'as forcément pas vu. Mais est-ce que t'as déjà vu le jeu et du coup est-ce que... Est-ce que la mauvaise fin tu l'as vue quoi? Parce que finalement, ouais voilà. Bah par rapport à la mauvaise fin, en fait, ça se passe vachement mieux en fait. Dans la mauvaise fin, finalement, la mort décide de revenir. Et décide de punir ceux qui ont été vilains. Et comme j'ai été très très vilain, et bah la mort s'attaque à moi quoi. Donc en fait, la fin c'est, je suis dans mon lit là où je me réveille, dans mon lit de comateux là où je me réveille. Et j'entends la mort qui arrive quoi. Donc là, je me réveille, a priori, il y a les petits oiseaux, tout ça, je me réveille de mon coma et je suis en vie. Donc, la bonne fin est quand même effectivement un petit peu mieux. Voilà. Bon, bah, c'était Bad Dream Coma. Bisous YouTube. Ça m'a fait plaisir.